Yo, c'est Joe, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau pack opening, 5000 points FIFA à paquet, c'est tout de suite. Si t'aimes les pack opening, si t'aimes les tops, si t'aimes la vie, si t'aimes le football, n'hésite pas à poser un petit like, ça me ferait extrêmement plaisir. Et donc les mecs, c'est parti, on se retrouve. Les manches, je suis en manche courte, d'accord. Mais voilà, elle est là, devant tes yeux, une équipe pas mal, voilà, pourquoi? Parce qu'il y a le petit Promesse qui a de superbes stats. Il y a le Marquisio, le Busquets, le Dembélé et surtout un joueur que je veux. Je ne pas que pour lui, le célèbre N'Golo Kanté. Putain, je l'ai vu au Stade de France, je l'ai vu marquer son premier but lors de sa première titularisation, c'était beau. Et s'il te plaît N'Golo, je te veux dans les packs. Donc pour cela, pas de prise de tête, on va ouvrir des packs à 15 000 crédits les mecs. Parce que c'est ce que vous m'avez conseillé en masse sur Twitter. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, lien dans la description. Je fais trop de pubs dans les vidéos, ça devient un truc de baiser. Et donc c'est parti, 15 000 crédits, ça fait 300 points FIFA, j'ai 4600 points FIFA. Ça fait quelques petits packs. Donc les mecs, c'est parti. Je suis remonté comme une horloge. Allez, Consigli, d'accord. Ok. Ok. Fletcher dans le... Fletcher, les mecs. Fletcher dans le premier pack. Pas te mentir, ça sent le pack opening plus que moyen, un peu bancal même. Deuxième pack. Malheureusement à ce moment-là, le petit Djorkaeff, il savait pas ce que l'avenir lui réservait. Et heureusement pour lui, parce que rien s'est passé comme il voulait. On vient d'avoir le maestro. Le maestro, Saúl Ñíguez Esclapez. Si, dit Saúl qui a fait un match majestueux. Et encore une fois, deuxième pack, on a Romao, encore un joueur de l'OM. Je le sens, ça sent le tot, ça sent le tot. En vrai, je rigole pas du tout. En vrai, ça me dégoûte hein, d'avoir deux joueurs de l'OM. Mais qu'est-ce que tu veux, frère? Faut se rassurer un moment dans la vie. Bon, j'aimerais bien un petit tot. Je dis ça, je dis rien. Et bah non, Biglia, voilà. Comme ça, au moins, c'est clair, voilà. Suivant, Lucas Vasquez, qui a un front. Je pense top 10 des plus grands fronts. À un moment, je pense, un jour, je vous ferai une vidéo. L'équipe des plus grands fronts. Je suis obligé de mettre Lucas Vasquez, vu ce front. Allez, le quatrième pack. Le quatrième pack de Djorkaeff. Enfin, je fais des rimes et la qualité de ce pack opening, mais la non-qualité des joueurs que j'ai dedans, c'est assez impressionnant. D'accord, hop là, là c'est une nouvelle technique que j'ai appris grâce à mon pote Razak. Vous voyez, vous faites comme ça avec le stick analogique droit, et ça vous permet de rapidement tout conserver dans votre club, voilà. Oh, un pack contrat, c'est nul, je crois que c'est nul, hein. Je suis pas sûr, mais je crois que c'est de la merde, hein. On va voir ce que c'est, tout de suite, allez hop. Ah bah oui, 4 éléments, 4 or. Je sais pas ce que ça vaut, on va voir, on va skipper. Que des contrats? Ah oui. Quand même, là on est sur un top pack de merde. C'est assez qualitatif. À ce moment-là, vous voyez encore le Djorkaeff un peu motivé, avec le sourire, rigolait sur tout et un peu n'importe quoi. Il avait vraiment ce côté sympathique qui faisait de lui le youtubeur qu'il était. Mais j'ai pas vous mentir, la suite des événements va le changer. Il va commencer à changer progressivement et c'est à ce moment-là qu'il a vraiment changé. Bon, maintenant je commande plus tous les packs, rien à branler, hein, on prend son temps. Et voilà, Stéphane Ruffier, on pouvait pas packer le petit Lopez? Non, on pouvait pas, obligé de packer Ruffier. Je le sens. Le Tot est ici. Il me ressent et il me comprend. D'accord. Ok. Ah, t'es gagné. Je sais pas pourquoi je fais ça, mais en tout cas, je pense que ça va pas donner plus de chance qu'auparavant. MOC, De Nap, CRC Calerone. Enfin, Rosé, Calerone, enfin, au pire, on s'en fout, voilà, Rosé, Calerone. Kingsley Coman, on va les garder. Mais encore une fois, un pack de piètre qualité. Le temps faisait son œuvre et le Djorkaeff commençait à se lasser, à s'énerver, et le temps passait et toujours rien. Nous sommes déjà à la moitié de ce pack opening. Je tenais à le préciser comme ça, pour vous rendre bien compte, de la douille du Djorkaeff. Allez, maintenant, je vais pas regarder. Je vais pas regarder le prochain pack, allez c'est parti, on ne regarde pas, je vous regarde que vous, je ne vois pas l'écran, je ne sais d'ailleurs pas quand c'est ouvert, donc là je suis comme un con. Là je vois un millimètre d'écran, donc je sais qu'il vient à peu près de s'ouvrir, je crois que vous avez l'animation devant vous, et mais je sais, ça se trouve il y a un tot, ça se trouve il y a un tot, ça se trouve il y a rien. Ça se trouve vous êtes en mode folie, mais vous pouvez claquer la caméra pour l'instant, allez on découvre ça. Yes, ouais. Ouais! Ouais! Yes! Oh! Réaction! Allez, cette fois on skip, on va essayer de voir si ça fait la diff. Allez, on skip, dès qu'il y a le bouton, hop, on skip! Yes, ça fait la diff! Yes, allez, yes! On est content, ça fait la diff! Gros joueur de baiser! Merci, merci, EA! Merci, je tiens à remercier tous les gens de EA!
Sans eux, ça... Là, là, là. Come on! On peut le faire! Let's go! Nouveau pack, j'aime bien le pack, il est cool! Ryo Mavuba, c'est moins cool, c'est moins cool, c'est un peu N'Golo Kanté version low cost. Et je t'avoue que moi, je suis pas un mec low cost, j'ai pas envie de faire le malin. Donc tout ça, on va garder, mais c'était pas ce qu'on voulait. Si t'as bien suivi la vidéo, tu sais qu'actuellement, il devrait avoir 0 points FIFA. Mais pourtant, la vidéo continue, le pack opening continue. Effectivement, il a bien remis de l'argent dans le jeu. Et oui, ce n'était que le début de sa fin. Ok, on passe au pack. À 500 points FIFA, maintenant on envoie du sale, on va en ouvrir 4 les mecs. C'est parti les mecs, 4 packs à 25k. Faut que ça fasse la diff. Luis Gustavo, ça fait pas la diff. Et Catermol et Moussa, ça fait pas la diff, ça fait pas du tout la diff. Ok, donc eux on va les vendre en vente rapide. Hop là, et le reste on va tout conserver. Hop là, allez, nouveau pack à 500 points FIFA, c'est quand même pas mal. Hop là, j'appuie, on regarde pas. Maintenant on est déterminé, c'est la fin. Maintenant il faut affronter ces packs comme des vrais hommes. Regardez la victoire dans les yeux. Regardez ce que nous veut la vie. Ben nous veut du mal en fait, ouais. C'est chaud, c'est chaud. C'est chaud la vie. Allez, on regarde pas encore. Chantier une bonne... Non, faut arrêter de pas regarder. Faut regarder les choses dans les yeux. Nous comme des bonhommes, comme des... En plus j'ai mal. Non, vraiment j'ai double fois mal. J'ai mal d'avoir mis de l'argent dans ce jeu. J'ai mal de frapper contre moi. J'ai mal d'avoir de la merde dans les packs. On peut le dire, c'est le pack opening de la douleur. Et le dernier pack à 25 000 crédits. Voilà. Voilà, voilà. Presque 10 000 points FIFA sont partis dans un Kurt Zuma. Dans un Kurt Zuma. Un Kurt Zuma. Un Kurt Zuma. Un Kurt Zuma. Vous vous rendez compte de la détresse qu'il y a ? Un Kurt. Et voilà comment se termine l'histoire du petit Djorkaeff. Un petit gars qui voulait rien de spécial, il voulait juste avoir un petit tots. Il avait mis tout son petit argent dans le jeu, voilà, c'était un petit jeune. Il avait mis 700 euros, durement gagné, avec la force de son poignet, pour ne pas dire la masturbation. Et voilà, il n'a rien eu. Rien qui ne peut le rendre plus heureux. Malheureusement, il repartira avec sa bite et son couteau, même s'il n'a pas de couteau, donc il repartira qu'avec sa bite. Mais voilà, c'est la fin de l'histoire. J'espère qu'elle vous aura plu, l'histoire d'un homme qui a mis 100 euros dans le jeu, et qui s'est fait enculer. Triste bilan pour un triste personnage, mais ce triste personnage représente au final toute votre communauté et toute sa communauté. Allez, salut !